Coucou les loulous! Bon, désolé, j'ai mis un peu de retard. Ben oui, je me suis lancée dans un film et j'ai oublié que je n'avais pas fait ma vidéo. Désolé, désolé. Des prives de Koh-Lanta? Ben, dans l'ensemble, un épisode plutôt pas mal, avec une fin que j'aime particulièrement. C'était vraiment très sympa. Pour le premier jeu, c'était un jeu où il fallait être. À quatre, donc ils se sont trouvés liés tous les quatre à des bouts de bois et ils devaient passer entre des bouts de bois pour récupérer un sac et après faire un puzzle. L'équipe gagnante gagnait un séjour, un séjour tout compris avec nourriture et logement et logement dodo. Donc l'équipe Lola a gagné. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. Franchement, le chocolat, il me donnait trop envie. Pourtant, je suis pas très fan du chocolat, mais quand j'ai vu la tête du chocolat, j'avais trop envie d'y goûter. Il avait l'air d'être trop, 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 trop bon. Mais bon. Et donc, dans l'ensemble, le jeu s'est déroulé plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il était. Il était assez bien. Moi, j'aurais bien aimé le faire. Je sais pas combien de temps il a duré, mais je pense qu'il a pas duré très 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 longtemps. La seconde équipe était désordonnée, déséquilibrée par les retours de la même personne qui braillait tout le temps. J'ai pas trop aimé son attitude sur le jeu, donc je parle de la copine de Lola. Et puis, je suis désolée, j'ai une coupe de merde aujourd'hui, tiens. Bon, ça change pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, déjà ça. Et puis, après, le vent a tourné un petit peu sur les. Qui va partir, qui va pas partir. Et Lola a fait un coup de maître tout en étant un coup de pas maître. Elle a fait un coup de maître en faisant une alliance et en dévoilant qu'elle avait un collier, donc du coup ça sécurisait tout le monde. Mais le problème c'est que la semaine prochaine ça va lui retomber sur le coin du nez, donc c'est pas très très drôle. Donc suite à ça, le jeu de l'immunité où ils partent sur une comment on appelle ça, une base de jeu où il faut empiler sur des petits cercles. Des boules, trois boules différentes, donc un cercle, une boule, un cercle, une boule, un cercle, une boule. Donc jusqu'à là, tout va bien, c'est à peu près facile, sauf que derrière, ils ont une petite boule qui descend des palettes de bois et qui a pour but de les ralentir, quoi, très clairement. J'ai trouvé que c'était pas mal, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Alors, pardon, Lola, elle avait décidé de mettre Brice dans le panier à dehors. Sauf que Brice s'est retrouvé à gagner le jeu d'immunité. Et le perdant devait tout bonnement quitter l'aventure, en fait. Et donc, c'est le plus âgé qui est parti. Ah, j'étais un petit peu triste parce qu'il était mignon, lui. Franchement, ils auraient bien géré de le mettre jusqu'à la fin, mais bon, c'est pas grave. Après, donc Brice s'est retrouvé avec pardon, j'y arrive pas ce soir. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu fatiguée. Brice s'est retrouvé avec le petit bonhomme d'immunité. Et vraiment, j'y arrive pas ce soir, c'est horrible. Et donc, c'est Ava qui était maintenant en balance, puisque les autres se sont liés entre eux. Donc, Ava et Brice étaient clairement mis de côté. Jusqu'à la fin, j'ai trouvé que Ava était extrêmement fair-play. Elle a été vraiment du début jusqu'à la fin très fair-play, même si on ne l'a pas vue très souvent. C'était assez sympa. Donc, si je résume bien, normalement, comme Lola, il lui reste un collier, elle est en finale. Enfin, elle est à l'orientation. Puisque la semaine prochaine, il ne reste plus qu'un
Il reste plus qu'un conseil. Elle a un collier. Donc, elle est forcément en orientation, sachant que cette année, l'orientation se déroule à 5. Et puis, du coup, c'est plutôt pas mal, moi je dis. Mon carré de 5 se présente sous la forme de du gars de l'Est. Les deux personnes de l'Est, donc Alexandra et le Savoyard, suivi de Lola, sûr, ça c'est sûr. Après, moi je dis, ça va se jouer entre Brice et la copine à Lola. Et il reste aussi. Il reste aussi un autre, mais lui, je me réserve bien de dire les choses parce que sinon je vais vous gâcher un peu, je vais vous spoiler un peu ce que j'ai vu, donc ça ne servait à rien, surtout si vous ne l'avez pas vu. Donc, en gros, épisode vraiment sympa où j'ai vraiment déliré à voir la fin. J'attendais la fin avec impatience, même si on savait à peu près qui allait partir. Il y a quand même eu pas mal de choses, des tentatives de faux colliers. Enfin, c'était assez sympa. J'ai trouvé que c'était un épisode qui était cool, un peu tranquillou. J'ai très très hâte de voir l'orientation, puisque la semaine prochaine, il reste un épisode. Après, c'est l'orientation, un épisode. Et après, c'est les poteaux plus le dépouillement. Donc, ça fera 3 épisodes. Il reste 3 épisodes. Et donc, après, j'ai appris tout à fait par hasard que. Donc dans début de l'année début de l'année début du mois prochain normalement c'est zone Z ou un truc comme ça, enfin c'est le truc avec les zombies que je vous parlais, donc la nouvelle émission présentée par Denis Brogniard, donc je ne sais pas ce que ça donne. Moi je vais regarder la première et puis je débrieferai voir si j'aime, si j'aime pas, ce que vous en pensez, ce que vous en pensez pas. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai eu des petites news de Koh-Lanta. Donc, si j'ai bien tout compris, moi je. Ah, c'est ce que j'ai vu, hein. J'ai lu l'article. Après, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Je n'en sais rien, mais. Denis Brogniard serait à Bora Bora. Donc, le lieu de tournage serait Bora Bora. Ou du moins des îles pas très loin. Alors, j'espère que c'est ça, parce que franchement, si c'est Bora Bora, ça va être juste parfait. C'est juste trop beau. C'est juste tout ce qu'il faut. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai eu comme information pour le nouveau Koh-Lanta 2000. Normalement, ils ont fini de tourner, mais comme il y a le Covid. Et tout le tintouin, ils ne peuvent pas rentrer en métropole. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour la suite des événements. Donc je ne sais pas s'ils vont rester, s'ils vont partir. Je n'en sais rien du tout. Mais la fin du jeu devrait arriver d'ici à la fin du mois. Là, parce que le tournage est en cours. Donc il devrait pas tarder à finir, genre la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vous voyez, c'est fin du mois, quoi. Et puis, comme on ne sait pas trop comment ça va se passer, avec tout ça, on verra bien. Donc, voilà, c'était les petites nouvelles de Koh-Lanta. Ouais, épisode cool. J'ai trop hâte de voir la suite. Parce que je sais que Lola, elle est à l'orientation. Donc, à moins qu'il fasse tomber le collier Lina. Des lapitudes, mais ça m'étonnerait, donc on verra bien. Enfin bon, bref, sur ce, je vous laisse. Comme vous pouvez le constater, je vais aller dormir. Ouh, pardon. Pouf. J'ai eu un coup de barre, je me suis mis dans un film, mais le film est en train de me. Du coup, à mon avis, je vais pas voir grand-chose du film, c'est plutôt le film qui va me regarder dormir. Enfin bref, je vais vous retrouver bientôt pour une recette de gâteau de Noël. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. Donc on verra comment ça va se passer. Je n'ai pas de nouvelles de la PMA, donc désolé pour l'instant, celles et ceux qui veulent absolument attendre
Les retours, je n'en ai pas. Tout simplement, je n'en ai pas. Vu que pour l'instant, c'est un peu mort, on va dire ça comme ça. C'est compliqué, donc du coup, on verra comment ça va se passer. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Quand, je ne sais pas quand. Bisous!